Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play. Et après avoir fait il y a quelques temps de ça le jeu Peggle, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite avec Peggle Knight sur PC. Alors Peggle Knight, bah, j'ai envie de dire oui, la suite directe de Peggle. Donc ce jeu avec les billes et les taquets que vous avez connu il y a ça quelques temps. Et aujourd'hui donc on est parti bah, justement pour la suite du jeu avec Peggle Knight. Bonjour, bienvenue à l'Institut Peggle. Merci, j'ai pas le temps de lire. Loul. Section 1, bon, on commence direct avec la section 1 du coup. Directeur Bjorn, la licorne masquée. Les gens disent parfois que je suis vieux et ennuyeux, simplement parce que je suis le directeur d'un institut prestigieux et important. Mais ils n'ont rien compris. Dans mes rêves, je me déplace dans l'ombre, je défends la veuve et l'orphelin, et j'aime le danger. Alors pour ce Peggle Knight, alors on va en fait retrouver un petit peu bah, les différents persos, les différents maîtres justement qu'il y avait dans le premier opus, on va tous les retrouver. Mais cette fois-ci on va se retrouver un petit peu dans leur rêve entre guillemets, d'ailleurs c'est le jeu hein, qui s'appelle Peggle Knight, la nuit de Peggle, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Et on va justement retrouver bah, comme je t'ai dit bah, tous les maîtres mais avec leur rêve en fait et justement bah, ce qu'ils rêveraient d'être le plus. Voilà. Et pour Bjorn, bah, vous l'avez compris, Bjorn la licorne, bah, lui ce qu'il voudrait être dans ses rêves, lui ce qu'il est, c'est un super héros, voilà, c'est une super licorne. Premier niveau, vague de criminalité. Alors le principe du jeu quant à lui ne change pas, c'est-à-dire que le but du jeu, j'ai 10 billes donc, que vous voyez à gauche de votre écran, et avec ces 10 billes, je dois éliminer les 25 taquets oranges qui se trouvent ici et là, donc dans le niveau. Voilà, donc là, la bille elle vient de tomber. Donc là, ici, j'ai voyé à droite, au niveau du fièvremètre, que j'ai éliminé 4 taquets oranges. Alors, vous voyez aussi en bas un panier qui bouge en bas. Bah, c'est exactement le même principe. Si une bille tombe dans le panier, eh bien, je regagne ma bille immédiatement. Ça me fait une bille gratuite. Donc là en même temps c'est le premier niveau, donc là on découvre les bases du jeu. Hein. Ok, alors là maintenant vu que le fièvremètre est passé en x2, maintenant tous les taquets que je vais toucher vont être multipliés par 2. Voilà, donc les taquets orange vaudront 200 points et les taquets bleus 20 points. Voilà, là on est passé en x3. Hop, alors là vous l'avez vu, la bille est tombée dans le panier, donc j'ai récupéré ma bille et elle peut être immédiatement rejouée. Ok, alors là j'ai gagné un petit bonus de coup distant puisque là j'ai éliminé deux taquets orange l'un à la suite de l'autre. Alors, il me reste 4 taquets orange à toucher pour pouvoir remporter le niveau. Alors sachez aussi que ce jeu c'est un jeu de scoring hein, comme dans le premier. Parfait. Nickel. Alors là vous voyez quand je touche tous les taquets orange d'un niveau, eh bien je déclenche la fièvre extrême. Oh là, désolé pour la petite coupure. Voilà, je déclenche la fièvre extrême et voyez, les paniers en bas vaut 10 000, 50 000 ou 100 000 points si je tombe au milieu. Voilà, et comme dans le premier Peggle, et bien ça ne change pas non plus, on a 5 niveaux par section. Niveau 2, un appel au secours. Les taquets verts activent des pouvoirs magiques. Le premier pouvoir magique est le super guide. Il est actif pendant les 3 prochains coups. Donc là, vous allez le voir, si je touche un taquet vert, donc là je vais toucher un taquet vert ici. Voilà, je gagne le pouvoir du maître et pour le pouvoir de Bjorn la licorne, c'est le pouvoir du super guide. Vous allez voir ce que ce pouvoir va faire au prochain tour. Voilà, en fait, il me permet en fait de voir un petit peu où est-ce que la bille va rebondir, ce qui peut être assez pratique. Alors là, vous voyez directement à gauche que j'ai gagné une bille supplémentaire puisque j'ai gagné pardon, plus de 25 000 points lors de ce tour. Voilà, c'était pas très bon. On va essayer de faire mieux que ça. Et ça fait très Batman hein, le décor. Hein. Vous le voyez avec le fer à cheval dans le ciel. Là, on le voit ici. En même temps, on est un peu dans le rêve hein, de Bjorn. Hein, vous l'avez compris. Ok, il me reste 4 taquets orange pour 7 billes. Bon, normalement, ça devrait être bon. Hein. Sauf si je me foire comme un idiot comme là, mais c'est pas très grave. Ok, parfait. On va toucher celui-là. Ok, super guide.
donc il ne me sera pas du tout utile. Voilà, puisqu'on a réussi. Parfait. Allez, niveau 3. Mets les gaz, Pégase. Le taquet violet vaut beaucoup de points. Marque plus de 25 000 points en un coup pour obtenir une nouvelle boule. Donc là, ici, on a un taquet violet qui, lui, va me donner un multiplicateur pour les points. Par conséquent, grâce à ce taquet violet, je marquerai plus de points lors de ce tour. Ce peut être assez pratique pour tenter de marquer les 25 000 points pour gagner une bille supplémentaire. Oula, c'est mauvais là ce que j'ai fait. Voilà, puis vous voyez là sur le dessin qu'on a une espèce de Pégase mobile là. Moule. Tout super-héros doit avoir un véhicule digne de ce nom, j'ai envie de vous dire. Bon là par contre je suis un petit peu de la mouise là. Hein. Je joue pas très bien, il faut le dire. Oh là là, ouais, je joue très très mal là. Ok, coup distant. Ok, super vide. Ok, bille supplémentaire. Et j'ai gagné 25 000 points. Ok, c'est pas mal. Bon, là, on va essayer de servir du super guide pour gagner des taquets pardon, supplémentaires là. Ah, oh, dommage. Faut essayer de faire un gros coup là. Ok, coup distant. Non. Ah, flûte. Flûte zut. Ah non. Ok, 3 taquets de billes. Bon, normalement, c'est faisable, hein, vu les billes, comment ils sont placés. Les taquets, pardon, comment ils sont placés, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Impeccable. Et la bille qui voyage, qui sait pas trop où elle veut aller. Qui est passé dans le 50 000, c'est pas mal. Allez, niveau 4. Bien fait pour toi. Ça suffit, il est temps pour ce héros des temps modernes de réagir. Là, on voit derrière ici le Bjorn qui fout un énorme coup de sabot à un ennemi, là. Dans l'ombre et la lumière. Ok. Pas trop mal pour un premier tour. Faire ça comme ça. Ah, dommage le panier. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais je ne l'ai pas eu. Tant pis pour moi. Ok, bille supplémentaire grâce au point. Et en plus, la bille rentre dans le panier. C'est parfait. Je vais passer de l'autre côté, là, peut-être pour toucher le taquet violet, là. Ou pas. Ouais, ok, super guide. Ça se prend quand même, ça se prend quand même. Alors, comment qu'on va faire? Comme ça. Ok, c'est pas mal. Ok, 6 taquets, 7 billes. Bon, normalement, ça devrait être bien. Hop. Ok, billes supplémentaires avec les points. Et le dernier. Parfait! Et 50 000 points de plus, je prends. Allez, dernier niveau avec Bjorn. Qui est Bjorn? Qui était cette mystérieuse et magnifique licorne? On se pose des questions. Et puis justement, même pareil, le fond est très bien fait aussi avec le bandeau de cette licorne mystérieuse. C'est ce super-héros des temps modernes. Ok, multiplicateur. Ok, bille supplémentaire grâce au point, parfait. Ok, coup distant. Joli le taquet, bien joué. Très joli coup. Très joli coup pour ma part. Ok, bille supplémentaire avec les points, parfait. C'est pas mal, il reste 9 billes encore, c'est bien. Olé, parfait. Oh, dommage, j'aurais bien aimé la mettre dans le panier, j'ai pas réussi.
Oui, alors c'est vrai qu'avec le curseur de la souris, voilà, je peux bien viser, hein, vous l'avez compris. Alors c'est vrai que vous n'avez pas la souris devant les yeux, hein, mais bon, c'est tout comme. Hein. C'est tout comme. Joli. Il reste combien là, 5 billes, 2 taquets. Bon, ça va le faire. Ce serait vraiment couillon de se foirer maintenant. Parfait. Et encore 50 000 points. Je prends. Très bien. On va passer au niveau 2 avec le deuxième maître. Mais avant ça, petit tableau de la licorne pour dire que j'ai réussi son monde. Stop au crime. Tu ne vaincras jamais la licorne masquée. Section 2. Jimmy l'éclair. C'est pas sorcier. Les choses sont magiques. C'est terrible. Et pourtant, à cause de mon apparence et de ma façon de parler, les gens me prennent pour un idiot. Mais une fois, j'ai vraiment rêvé que je guérissais toutes les maladies en utilisant des thés bloquants pour supprimer de façon catalytique la redondance de l'ARN. C'était génial, mec. C'était super génial. Donc pour Jimmy l'éclair, lui, bah vous l'avez compris, son rêve, c'est d'être un grand scientifique. Essaye mon pouvoir magique, le multiball, la boule se dédouble lorsque tu touches le taquet vert. C'est super. Alors évidemment, les pouvoirs des maîtres ne changent pas, hein, comparé au premier Piggle, ça vous l'avez compris. Donc là, pour Jimmy l'éclair, son pouvoir à lui, si vous vous rappelez, c'était le multiball, donc il permet de diviser les boules en deux. Yes, il est rentré dedans, ça c'est bon. Ah, dommage. Dommage. Ok, joli. Tiens, on va tenter. Hop là, le petit multi-ball ici. Oh, oh, joli. Il y en a un sur deux qui est rentré, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Oh, bah alors. Ok, moins 5 billes pour 3 taquets. Bon, normalement, ça devrait largement le faire. Parce que le dernier taquet se trouve juste là. Voilà, parfait. Impeccable. Parfait. Ok, 71 000 points. Et on est parti pour le niveau 2. Zop, l'électricité, c'est top. Mais comme la magie... C'est comme la magie, mais en plus réel, pardon. Loul. Oh, dommage, le panier, là. Ça aurait été bien de le toucher. Ok, multi-ball. Oh, ni l'un ni l'autre, dommage. Ça aurait été tentant, là. Ah là 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 là. Ok, coup distant. Ah, oh, le panier. Le panier. El paniero. Oh. Je voulais toucher le taquet violet, il a pas touché. Olé. Oh, oh, oh non. Là, j'ai pas de chance avec le panier, là, je vous le dis. Ok. Joli les points. Allez, nickel. Oh, il est bon, il est bon. Ah, dommage le 10 000. Ok, pas mal, pas mal. Allez, on enchaîne. Antitoxique. Prenez ça, microbe. Vous faites moins les malins maintenant, hein. Allez, c'est parti. Ah, dommage, le panier était du bon côté, mais il n'a pas parti à la fin. Ok, multi-ball. Oh non, il est sorti de la structure. J'aurais bien aimé qu'il reste là-dedans, là. Ça aurait été bien, là. Ok, bonus point. Je prends. Ok, multi-ball encore. Joli.
Dommage pour la deuxième, j'aurais bien aimé à gagner les deux billes d'un coup. Ça aurait été très intéressant pour moi. Oh, il a pas touché le taquet orange, dommage. Dommage parce que je pense qu'avec le taquet orange, j'aurais pu gagner un bonus point là. Mon dieu, alors, je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais. Il me l'a fait quand même. Oh, il touche pas le panier comme il faut là. Ok, joli. Ça se corse. 5 tacs et 4 billes, ça se corse. Joli. Ok, 4 tacs et 4 billes. Ok. Ok, parfait. Oh, le 100 000, il est bon! Parfait. Allez, niveau 4, invention. Je me sens aussi cool que le mec qui a inventé le skateboard à vapeur. Si tu le dis, mon cher Jimmy. Si ça te plaît. Ok, bille supplémentaire avec les points. Très bien. Bon, ça, je prends. J'essaie de rentrer là-dedans, tiens. Ok, multi-ball. Ok, bille supplémentaire avec les points encore. J'ai toujours mes 10 taquets, donc mes 10 billes, pardon, pour l'instant tout va bien. Ah, dommage. Ouah dommage. Ça aurait été un joli coup là. Ok. Alors, il me reste quoi? 7 billes, 5 taquets. Bon, normalement, ça devrait le faire. Ok, attaque orange. Très bien, parce que j'ai touché beaucoup de taquets orange sur ce tour là. Ok, parfait. Très bien. Il est parti où là? Ok, 50, je prends. Parfait. Allez, dernier niveau de ce monde. Habileté. La célébrité et la reconnaissance m'importe peu. Je veux simplement faire avancer la recherche. Très bien. C'est une bonne chose, mon cher Jimmy. Mal. Ok, multi-ball. Ok. Bonus point, très bien. Je prends. Oh, très mal joué là. Mais là, le problème là, c'est que je vois que les billes, enfin les taquets orange plutôt, ils sont tous vers le bas. Ça, c'est pas bon signe ça. Ça pue du schtroumpf parce que là, comme tous les. Oh là 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 là. Donc, tous les taquets orange sont en bas là, ça va être très chiant là. Ok, il a pas touché le multi-ball, dommage. 6 billes, ouais. Oh, oh là 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 là. Ok, 5 billes, mais il me reste encore beaucoup de taquets là. Hein. Ça risque d'être chaud patate. C'est moi qui vous le dis. Oh, en plus je visais le panier, merde. Et en plus, il touche pas le taquet vert. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais il m'a rien donné. Ok, 2 boules, mais il me reste encore beaucoup de taquets là. Aïe 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 aïe. Dernière boule, mais il me reste encore 3 taquets à toucher. Ah ouais, c'est mort. C'est mort. Alors, quand c'est perdu, bah en fait, bah, on recommence tout simplement le niveau. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, je n'ai plus qu'à recommencer. En espérant faire mieux cette fois-ci. Je l'espère. Ok, multi-boule. Bon, je trouve ça naze que le taquet là il s'est viré tout seul là parce que là j'aurais pas aimé qu'il se vire là. Oh bien. Ok, c'est pas mal, on a retiré 5 taquets orange, c'est pas trop mal. De toute façon, comme il y a 25 taquets orange, le but c'est vraiment de retirer au moins 3 taquets orange par bille. Hein. Ça, ce serait vraiment le top. Hein. Ok, multi-ball. Bille supplémentaire grâce au point, c'est très bien. Ok,
il m'en a retiré 3, c'est bon signe. Ok, il me reste quoi là, 5 taquets, 5 billes. Ouais, bah, c'est bon, ça devrait le faire. En plus, c'est pas les billes les plus chiantes à retirer cette fois-ci. À part peut-être celle-là, là. Oh, attention quand même, hein. Oh, attention là. Ah non, je vais pas l'avoir. Ah non, je vais pas l'avoir, hein. Je dis quand, ouais, voyez, c'est gagné, mais non, voyez, rien n'est joué dans ce jeu, rien n'est joué. Si vous vous foirez, vous recommencez, les gars. Eh oui. Dommage les points, là. J'aurais pu l'avoir. Mais j'ai bien retiré mes 5 taquets, donc c'est bon. Ok, joli les deux coups là. Là, c'est un très beau coup là que j'ai fait. Là. Très joli. Ok, pas mal. 4 taquets de retirer, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Attention quand même. Hein. Okay, multi-ball. Ok, point bonus. Double point bonus. Ouais, parce que là, j'ai marqué 75 000 points en un tour, donc j'ai gagné 2 billes supplémentaires. Ça, c'est bien ça. J'aime beaucoup. Aïe. Foiré. Je me suis foiré. Ah, mais les billes, elles sont mal placées, bordel. Enfin, les taquets, plutôt, ils sont mal placés. Bon, c'est bon, là, c'est gagné, hein, là, je vous le dis. Et on est bon, parfait. Impeccable. Et ce monde est fini, parfait. On voit que je suis un scientifique à ma super blouse de laboratoire. Allez, comme d'habitude, on va faire... Enfin, comme d'habitude, non, mais comme dans le premier jeu Pego, je pense qu'on va faire 2 mondes par vidéo. Je pense que ce sera très bien comme ça. Comme ça, ça fera environ une trentaine de minutes par vidéo. Ce sera très bien. Bon, même si là, on est qu'à 23 minutes, mais... Oh, là, on a commencé avec les niveaux les plus simples. Hein, donc là, évidemment, je ne perdrai pas beaucoup. C'est moi qui vous le dis. Allez, comme d'habitude, avant de se couper, on va dévoiler quand même qui est le prochain maître. Et il s'agit de Renfield la Citrouille, peintre impressionnant. J'ai toujours aimé l'art, sous toutes ses formes, que ce soit danser, faire du cinéma ou faire une tarte. Mais ce que j'aime vraiment cependant, c'est la peinture. J'ai déjà exposé une ou deux toiles que j'ai faites. C'est pas grand chose évidemment, mais c'était assez bon pour que quelques ratés y voient quelque chose à imiter. Ou alors ai-je simplement rêvé qu'ils l'ont fait. Voilà, donc pour Renfield, lui son rêve c'est d'être un magnifique artiste peintre, voilà. Et son pouvoir à Renfield, donc c'est l'épouvantable boule. Mais l'épouvantable boule, on le découvrira la prochaine fois. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette première partie sur Let's Play de Peggle Knight. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, eh bien, on découvrira donc les deux prochains maîtres ainsi que leurs rêves. Et on commencera avec donc Renfield, la citrouille. Et en attendant, bah, moi je vous dis... À la prochaine tout le monde. We'll be right back.